Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Une palette de make-up. Donc comme d'habitude, c'est la vidéo avec ma petite pichette by Manolita. Vous avez son make-up en barre d'infos, comme ça, ça vous fait une deuxième idée. Tout ce qui est en rapport avec la palette que je vais utiliser, je vous remets les vidéos également en barre d'infos. Comme ça, vous avez plein d'idées. Alors, je ne sais pas s'il y en a que j'ai déjà fait ou des choses comme ça. Enfin, c'est celui que je vais faire. Alors, bref, vous avez compris. Et n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Manon et de vous abonner et tout ça, tout ça. Elle a choisi la Carnival Interstellar, qui est ma préférée avec la Antidote. Voilà, pour ça, hein, principalement. Voilà, voilà. Et j'ai donc décidé de partir dans les gris et les bleus. Parce que j'en vis, tout simplement. Donc, voilà, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon, puisque c'est elle qui décide des palettes à chaque fois. Et on saura à la fin de sa vidéo quelle palette, pour le mois prochain, elle voudra utiliser. Donc, moi, je me rapproche et on attaque le petit make-up. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas tourné dans mon bureau un make-up, donc je bafouille. Voilà, voilà. J'ai envie de quelque chose d'assez dark, puisque en ce moment je fais que des make-up légers, vu que j'ai pas beaucoup le temps. Donc je me maquille en bas et ben, j'utilise mes produits qui sont en bas. Donc souvent j'utilise mon blush et mon highlighter pour faire mon make-up des yeux. Donc là on va faire un make-up un peu plus travaillé, hein, j'ai envie. Donc, je vais commencer avec le... celui-là, il a paillettes. Je vais commencer avec le Odyssey. Odyssey, qui est le gris un peu anthracite, comme ça, un peu... Il y a des sous-tons un peu bleu-violet. Et je vais utiliser ça pour faire les trois quarts de mon... On va partir sur un make-up cocktail, tiens. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Ouais, ça fait très longtemps. Donc j'étire parce que j'ai envie qu'il soit assez étiré, tout simplement. Pareil, je fais les trois quarts de mon ras de cils, les deux tiers de mon ras de cils. Oh, je vous jure, ça va plus. Je commence doucement à dégouader cette teinte-là, que je vais essayer de monter un peu plus haut quand même. Voilà, ça c'est bien. Descendre un peu plus bas en racine. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus fin et je vais prendre le Nebula. Pour continuer mon creux et mon racine. Alors je vais passer à un pinceau plat. Et je vais prendre le... Je vais prendre le First Man, qui est juste le gris juste à côté, ici, plus foncé, pour faire mon coin externe. Mon ratine externe en raccorde. Je reprends mon premier pinceau pour blender la transition bien partout. Et sur la paupière aussi. Ensuite, au doigt, je prends le Martian. Parce qu'il est fort crémeux, hein, celui-là. Il est tellement beau. Et je le mets sur le centre de ma paupière. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Magnifique. Trop beau! Premier pinceau et je blende la transition partout, tout autour. Avec un petit pinceau langue de chat, je vais prendre. Je vais d'abord commencer par le gris ici tout clair, Mystic Moon. Pour mettre en partie interne. Et ensuite, je prends les paillettes Orbit. Donc, j'appuie dessus pour prélever un peu de d'agent liant.
je mets par-dessus et je l'étire un peu sur le bleu. Là, magnifique. Je ne sais pas décrire cette couleur. Je vais également, avec la tranche, en mettre un peu en ras de cils interne. Ok, je reprends mon pinceau plat, je reprends la teinte martienne pour en remettre un peu au centre et continuer mon estompe. Enfin, mon dégradé plutôt. Je reprends le pinceau boule et je reprends la teinte Odyssée pour reblender ici. J'étire un peu les petites paillettes. Je fais pareil avec le bleu Nebula. Parce que là, il s'est un petit peu fait manger, le coquin. Je prends un pinceau vraiment assez fluffy pour estomper. Donc je commence par estomper le bleu. Je passe ici. Mon ras de cils, partout. Et la teinte de transition. J'essuie bien mon pinceau. Et je vais prendre le gris ici, Space Race. Donc c'est un gris clair, un peu souris, avec des micro-paillettes. Alors je ne suis pas sûre que les paillettes se voient après. Mais je vais appliquer ça sur le tour de ma teinte la plus foncée. J'essuie mon pinceau et je prends un petit peu de Moonwalk. Trop beau, c'est bien. Ça n'est plus beau. Et je mets ça tout autour de mon coin externe, de mon arrondi externe. Là, je ne vais pas mettre de liner, je vais mettre du crayon bleu. Si je trouve un comme ça, je vais essayer de trouver un comme ça. Mascara, sur les lèvres, je vais mettre le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Donc voilà le look final avec cette palette. Mais qu'est-ce que j'aime cette palette, c'est vraiment ma carnival préférée. Oh, je l'aime trop. Ouh, trop, 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 trop. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez et si vous l'aimez autant que moi. C'est vraiment... Mais j'aime trop cette palette, quoi. Mais vraiment. Celle-là et la Antidote, c'est mes deux préférées dans les carnivals. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas sorti depuis celle-là. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais il me semble que ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bientôt ressortir une. Après, c'est vrai que ça risque d'être très redondant. Hein. Quoique sur les 5, elle a réussi à pas faire... Ah, bref. Donc j'ai mis un métallique Shockwave de chez Elegirl en teinte océan en muqueuse. C'est ce qui se rapproche le plus de la teinte du fard à paupières. Voilà. Et sur les lèvres, je vous ai dit, j'ai mis donc le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est le nude par excellence. Voilà, je me suis pas trop gazée à nénette. Donc, ben voilà, moi je vais vous foncer voir la vidéo de ma petite bichette pour voir quelle palette elle veut utiliser le mois prochain. J'ai trop hâte, j'adore. C'est pas moi, en plus je dois pas me décider, donc celle qui décide, elle choisit la palette, moi j'ai plus qu'à faire un make-up. Tranquille, voilà, je délègue. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait, on monte. Ça fait plaisir, et voilà. Tout simplement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir et ça me fait du bien de voir que vous aimez ce que je fais. Et ben voilà. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous!